prépare deux expositions collectives. Donc, l'une se passe à Eiffage et l'autre se passe à la galerie Le Manège, qui est en ville. Et l'expo du Manège porte sur les femmes battues. Donc voilà, je participe en tant que femme. J'ai été appelée par un monsieur qui s'appelle Gilles, qui fait partie de l'association et qui est en partenariat avec une association basée à New York. C'est sur les femmes battues. Ouais. Oui, c'est un rêve, ça peut être un cauchemar aussi. J'ai même fait un film sur les femmes battues. J'ai fait un court-métrage sur les femmes battues. Sauf que dans mon film, parce que le sujet est déjà dramatique. Donc moi, ce que je voulais faire, c'est de faire rire Oui, de faire rire. Bon, peut-être que ça n'a pas marché, mais voilà, ce que je voulais, c'est amener un peu d'humour dans ce sujet qui est tragique. Je l'ai réalisé en 2009, je crois. J'ai jamais vécu dans une maison où les femmes sont battues. J'ai jamais été battue, mais voilà, j'habitais dans un quartier populaire et que voilà, ces histoires-là se produisaient assez souvent. Je peux dire oui, parce que j'ai fait un film aussi sur les jeunes qui veulent partir avec les bateaux, avec les pirogues pour aller en Espagne. Mais mon point de vue, c'était sur les femmes. Les femmes derrière qui poussent, qui organisent, qui obligent aux hommes de partir. Personne n'avait jamais parlé de ce point de vue qui, vraiment, c'est important parce qu'elles organisent, elles font des tontines uniquement pour cotiser et que pour leur fils prennent ces pirogues-là qui est quand même, voilà, dramatique.